La Fondation Maïf m'a contactée en fait pour parrainer ce projet. C'est la première année qu'ils organisent ce type d'initiative. J'ai trouvé ça absolument fabuleux puisque le but évidemment c'est de faire passer un message qui est important pour prévenir les risques sur la route. Et en même temps, l'idée était sympa d'inciter les internautes à se montrer créatifs puisqu'il s'agissait de réaliser des vidéos, des courts-métrages en fait. Je trouve déjà que les trois thèmes qui ont été proposés par la Fondation Maïf, que ce soit les piétons, que ce soit la sécurité enfant, que ce soit les motards, ce sont des choix de thèmes vraiment pertinents. À partir du moment où il y a un vrai travail sur les vidéos, il y a eu beaucoup de recherches de la part des internautes. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que toutes les générations sont représentées, que ce soit il y a des mises en scène avec des enfants, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont envoyé des vidéos, il y a des personnes adultes, plus responsables, plus âgées également. C'était un concours qui a vraiment touché tout le monde. Je vis en ville, donc je fais beaucoup, beaucoup de choses à pied, que ce soit pour aller à la crèche, pour aller faire des courses, pour aller même parfois sur mon lieu de travail. J'ai des enfants et j'ai un mari qui est motard, on le connaît plus en tant que pilote de F1, mais il fait beaucoup de motos, notamment dans Paris. Donc forcément, les trois thèmes, je me sens tout de suite concernée. Après, en ce qui concerne le traitement maintenant des internautes, ce qu'ils en ont fait, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant puisque on est sorti complètement des clichés de le méchant automobiliste qui a pris l'alcool avant de conduire ou ce genre de choses. Je voudrais remercier tous les participants, tous les internautes qui ont travaillé sur les vidéos. J'ai vu des choses vraiment intéressantes, j'ai vu des scénarios vraiment vraiment bien montés, bien pensés, bien réalisés. J'ai été agréablement surprise de ça. Manifestement, je pense que le message de la Fondation Maïf est passé, ça c'est bien. Je leur souhaite maintenant d'être suffisamment fiers de leur projet pour le montrer à leur entourage, à leur famille, à leurs proches.